Mon expérience de prêtre et de catéchiste ne cesse de me le confirmer. Refaire un rapide tour du Nouveau Testament n'est jamais superflu. Commençons par les quatre évangiles, donc. Les écrits qui racontent la vie de Jésus. Parmi eux, on en distingue trois qui sont très similaires. Ce sont les évangiles dits synoptiques, Matthieu, Luc et Marc. Ces évangiles ont pour nous le sceau de l'autorité apostolique. Matthieu est l'un des 12 apôtres, Marc serait le Jean-Marc dont parlent les Actes des apôtres, devenu le secrétaire de Saint-Pierre, et Luc, quant à lui, était le médecin de Saint-Paul, dont la Bible dit qu'il est le plus petit des apôtres, mais apôtre quand même. La première similarité entre ces trois évangiles est leur manière de découper la vie de Jésus en deux phases. D'abord les premières années de ministère de Jésus, avec une popularité croissante, malgré, il est vrai, les polémiques avec les pharisiens. Cette première partie s'achève en apothéose avec la transfiguration, commence alors une deuxième partie dans ces évangiles, qui est en fait une longue descente. Cela commence avec la lente marche de Jésus vers Jérusalem, et cela s'achève avec la croix. Cette vie de Jésus décrite en deux versants est propre aux évangiles synoptiques. Jean, lui, propose une autre narration. Certains épisodes changent selon les trois évangiles. C'est normal, les évangiles sont basés sur des souvenirs, ce ne sont pas des reportages. Parfois, au contraire, certains passages se ressemblent tellement qu'on peut les mettre en parallèle et étudier les petites différences entre ces trois évangiles. Par exemple, Matthieu est très attentif au lien avec l'Ancien Testament et il insiste sur la dimension politique de Jésus, le roi des Juifs. Marc, lui, abrège les discours mais amplifie les récits avec beaucoup de détails pittoresques. Luc insiste sur le rôle des femmes et sur la miséricorde. J'attire votre attention en particulier sur l'évangile de Matthieu. C'est un évangile qui est fait pour être appris par cœur. On pense que c'est l'évangile selon saint Marc qui aurait été le premier écrit. Oui, mais la version orale apprise par cœur de saint Matthieu remonte probablement à la toute première église. Longtemps, c'est cet évangile qui a servi de première référence à l'église parce que c'est un évangile très catéchétique. Il est structuré en 5 grandes parties, composées chacune ou presque de 2 sous-sections, un discours puis un récit. D'abord le sermon sur la montagne avec une série de miracles, puis une section sur la vie apostolique, une autre sur la prédication populaire et les paraboles, une autre sur la vie dans l'église, une autre sur les controverses et une dernière centrée sur la fin du monde et la fin de la vie de Jésus. Passons à l'évangile selon saint Jean. L'évangile selon saint Jean diffère fortement des trois autres évangiles. Le vocabulaire, par exemple, est à la fois plus simple et plus majestueux. On pense d'ailleurs que l'évangile selon saint Matthieu a été écrit après les autres évangiles. Comme s'il supposait que vous les connaissiez déjà. Et saint Jean viendrait compléter certaines choses qui lui semblent importantes et dont les évangiles synoptiques ne parlent pas. Par exemple, saint Jean ne rapporte pas les paroles de l'institution de l'Eucharistie, il les suppose connues. Il parle bien du dernier repas de Jésus, mais à la place de ces paroles, il met le geste du lavement des pieds. Geste qui, lui, au contraire, est absent des trois évangiles synoptiques. Et par là, saint Jean complète ces évangiles. Il veut nous dire dans quel esprit de service et de fraternité doit se célébrer une messe. Quant à la consécration du pain, si saint Jean n'en parle pas pendant la messe, il en parle longuement ailleurs dans ce qu'on appelle le discours du pain de vie, qu'il situe lors de la multiplication des pains. Et c'est d'ailleurs de là que notre théologie de l'Eucharistie provient. L'évangéliste saint Jean lui-même est une figure obscure. On l'assimile au disciple bien-aimé, même si rien n'est dit dans ce sens dans l'évangile. L'évangéliste saint Jean lui-même est une figure obscure. On l'assimile au disciple bien-aimé, même si rien n'est dit dans ce sens dans l'évangile. On ne sait pas trop s'il s'agit de saint Jean l'apôtre, le fils de Zébédée, ou d'un autre saint Jean, l'ancien, le presbytre Jean. En tout cas, manifestement, l'évangile selon saint Jean a été retravaillé par plusieurs personnes. On pense qu'il y avait toute une école de pensée, toute une communauté chrétienne qui l'a travaillé. La tradition voit dans cette communauté une fondation de l'apôtre saint Jean, et l'évangile selon saint Jean serait le texte fondateur de cette communauté et qui aurait traversé les générations pour subir de multiples refontes. Si dans les évangiles synoptiques, la vie de Jésus est structurée en deux axes, ascendant jusqu'à la transfiguration,
descendant jusqu'à la crucifixion, l'évangile selon saint Jean est, lui, structuré autour d'un septénaire. Plus précisément, autour de sept signes, sept miracles qui servent de base à un enseignement. Cana et l'eau changée en vin, la guérison du fils d'un officier, la guérison d'un paralytique, la multiplication des pains, la guérison de l'aveugle né à Siloé, la résurrection de Lazare, ça en fait six, le septième signe étant celui de la résurrection. Entre la résurrection de Lazare et le récit de la Passion historiquement plus détaillé que dans les autres évangiles, saint Jean insère encore un long discours. C'est le discours d'adieu de Jésus qu'il prononce lors de son dernier repas. Pourquoi est-ce que je vous dis cela ? Parce qu'il me semble que c'est un des textes majeurs du Nouveau Testament. C'est par exemple là que vous avez le commandement nouveau de Jésus, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Avec le prologue selon saint Jean, avec le sermon sur la montagne selon saint Matthieu, ce discours d'adieu de Jésus est pour moi le troisième texte le plus important du Nouveau Testament. Nous continuons notre tour d'exploration du Nouveau Testament. Après les évangiles, nous passons aux actes des apôtres écrits par saint Luc, le médecin de saint Paul. Saint Luc a écrit un évangile et les actes. Ces deux livres devraient normalement se suivre. Mais le Nouveau Testament a intercalé entre les deux l'évangile selon saint Jean. On parle moins du livre des actes des apôtres, et pourtant il est très important. Je me souviens d'un auteur de théologie qui expliquait que la grande œuvre de Jésus n'avait pas été ses miracles, ni même ses enseignements, mais la formation de ses disciples. Et de fait, on peut tout à fait lire le Nouveau Testament comme décrivant d'abord le long séminaire des apôtres avec Jésus, puis la description de leur ministère. Mais revenons aux actes. Les actes des apôtres commencent par une longue introduction qui va de l'ascension à la Pentecôte. C'est la lente mise en route de la prédication apostolique. On voit d'abord les apôtres qui ont peur et qui se cachent, puis Jésus qui leur promet une force venue d'en haut. Ils décident enfin de continuer l'œuvre de Jésus en élisant un nouvel apôtre, et alors arrive le don de l'Esprit-Saint lors de la Pentecôte. Et la prédication des apôtres commence. Dans une longue et première partie, les actes des apôtres vont décrire la prédication des apôtres dans le monde juif. C'est saint Pierre qui l'inaugure, malgré la haine des dirigeants juifs. Se met en place l'organisation de la première église à Jérusalem. À cause de tensions internes, on met en place l'instruction des diacres. Le plus célèbre d'entre eux, Étienne, se fait lapider, c'est le proto-martyr. Et c'est ainsi d'ailleurs que saint Paul fait son entrée par la petite porte. Il était celui qui encourageait les autres à lapider Saint-Étienne. Commence une première période de persécution qui amène l'Église à fuir à l'extérieur en Samarie, puis dans les villes païennes du monde gréco-romain. Pendant ce temps, Saint-Paul se convertit et Saint-Pierre admet Corneille dans l'Église, le premier non-juif à être baptisé. Commence alors la deuxième partie des actes des apôtres, leur prédication dans l'Empire romain et chez les païens. La figure centrale devient saint Paul. Barnabé l'appelait en renfort à Antioche. Ensemble, ils organisent la première mission itinérante. Les actes décrivent trois grands voyages de saint Paul, d'abord avec Barnabé, puis avec Tite, Timothée et saint Luc. Finalement, saint Luc, en se rendant à Jérusalem au bout des trois voyages, est arrêté. Il fait valoir sa citoyenneté romaine, ce qui lui vaut d'être déféré à Rome, et c'est ainsi que les actes s'achève sur la figure d'un apôtre prêchant l'évangile depuis le centre du monde d'alors, Rome. Après les quatre évangiles et les actes des apôtres, nous continuons notre survol du Nouveau Testament. Paul est devenu l'instrument de Dieu pour faire connaître son évangile à toutes les nations. Il aurait bénéficié d'une révélation personnelle. Jésus lui serait apparu et l'aurait lui-même instruit. Et cela doit être vrai, tellement le génie religieux de saint Paul est autrement incompréhensible. C'est lui par exemple qui souligne l'importance fondamentale de la foi pour être sauvé, une foi qui culmine dans la charité. Le contenu de sa pensée est consigné dans des lettres que la tradition a conservées dans le Nouveau Testament. On en a conservé 13, et ces lettres sont appelées des épîtres. Elles sont classées de la plus longue, l'épître aux Romains, à la plus courte, l'épître à Philémon. Parmi ces 13 lettres ou épîtres, 9 sont adressées à des communautés.
la communauté romaine, la communauté chrétienne de Corinthe, etc. Ce sont les épîtres canoniques. Les quatre autres épîtres sont qualifiées de pastorales et s'adressent à des disciples de Paul, Tite, Timothée, etc. De grands débats existent entre historiens pour savoir quand exactement elles ont été écrites et qui exactement les a écrites. Ce qu'on appelle la pseudépigraphie, parce que ce n'est pas sûr que saint Paul ait écrit toutes ses lettres. Certainement, la lettre aux Hébreux n'est pas de Paul, mais probablement d'un de ses disciples cherchant à reformuler la pensée de son maître pour des chrétiens juifs. La majorité des chrétiens est d'accord pour dire que 7 lettres, au moins, sont de saint Paul. Pour les autres, le débat est ouvert, mais toutes sont reconnues comme étant inspirées. J'attire votre attention sur 3 lettres en particulier. D'abord, la première lettre aux Thessaloniciens. Elle aurait été écrite vers 50, et c'est l'écrit le plus ancien du Nouveau Testament. Le tout premier écrit chrétien. Et puis, il y a surtout la lettre aux Romains. Ça aussi, c'est un premier écrit, mais dans la catégorie « théologie fondamentale ». C'est un texte peut-être aussi important pour sa pensée que le sermon sur la montagne de Jésus. Et voici une autre lettre presque aussi importante que la lettre aux Romains, c'est la première lettre aux Corinthiens, le premier manuel de théologie pratique. Saint Paul montre comment le message de Jésus doit s'inculturer dans un contexte donné. Ce sont les questions de nourriture, de mariage, etc. Le principe de l'inculturation étant, nous dit Saint Paul, la charité. En plus des épîtres pauliniennes, il y a d'autres épîtres, plus courtes et moins nombreuses, écrites par d'autres personnes. Il y a les 2 épîtres de Saint-Pierre, les 3 épîtres de Saint-Jean, l'épître de Saint-Jude. On les appelle les épîtres catholiques. Catholiques, car elles ne s'adressent ni à des individus, ni à des communautés, mais à tous les chrétiens. Catholiques voulant dire universels. Ce sont, si vous voulez, les premières encycliques. Là encore se posent des questions de pseudépigraphie, mais pour un premier survol, on va s'arrêter là. Terminons notre survol du Premier Testament et résumons un peu les choses. Parfois, il est un peu difficile de s'y retrouver parmi tous ces textes. Alors, si vous voulez commencer par mettre de l'ordre, commencez par travailler l'Évangile selon saint Matthieu. 40 pages environ, c'est le plus catéchétique et qui structurera votre pensée. Et puis, si vous voulez une autre approche, vous pouvez aussi commencer par les plus grands textes du Nouveau Testament. Dans les évangiles, 3 textes en particulier sont des joyaux. Le sermon sur la montagne dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 5 et suivant, le prologue de l'évangile selon saint Jean, chapitre 1, et le discours d'adieu de Jésus dans l'évangile selon saint Jean, chapitre 13 et suivant. Pour se retrouver dans les actes des apôtres, le plus simple est de prendre une bande dessinée ou un film, sinon vous allez être perdu dans tous ces noms qui sont donnés. Enfin, parmi les lettres de saint Paul, les plus importantes sont les lettres aux Romains et la première lettre aux Corinthiens. Nous terminons maintenant en parlant de l'Apocalypse. C'est un livre intriguant à plusieurs niveaux. D'abord, parce qu'il a failli ne pas appartenir au Nouveau Testament. Il en a même été exclu pendant longtemps. Une deuxième chose intrigante, c'est son auteur. Qui est-il ? La tradition y a vu Saint Jean l'évangéliste exilé à Patmos, mais la recherche moderne est plus prudente. On parle parfois d'un prêtre appelé Jean, qui aurait appartenu à la communauté chrétienne fondée par Saint Jean. La troisième chose intrigante de ce livre, c'est son style. Un style résolument ésotérique, c'est-à-dire volontairement obscur et qui fonctionne par symbolisme. Rien de mieux d'ailleurs pour exciter l'imagination et permettre à tous ceux qui attendent la fin du monde de pouvoir se réclamer de Saint Jean. Une fois que l'on a dit ceci, c'est probablement un des plus beaux livres de la Bible. La puissance des images est proprement hallucinante, à tel point que tout le monde connaît l'image du dragon, celle de la bête à 10 cornes, l'image de la Jérusalem céleste, la femme dans le ciel. C'est aussi un livre d'une inimaginable richesse biblique. Ces symboles reprennent toutes les visions des prophètes et vous font voyager de la Genèse au Christ en une seule phrase par des allusions incessantes. C'est vraiment très étonnant. Pour la structure de l'Apocalypse, même si les exégèses ne sont pas d'accord entre eux, on peut repérer les septénaires successifs. C'est d'abord l'ange qui donne un message pour 7 églises, puis le livre avec 7 sceaux, puis les 7 trompettes, les 7 fléaux, les 7 coupes, et enfin la victoire finale. Je vous termine en vous citant la dernière phrase ou l'avant-dernière phrase de l'Apocalypse, et donc de la Bible. « Amen, Maranatha, viens Seigneur Jésus,
Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous.